رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه پس از گفتگوهای خود در کاخ سفید که بخش زیادی از آن روی توافق اتمی با حکومت آخوندی متمرکز بود، در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند. در این کنفرانس مطبوعاتی، دونالد ترامپ پس از قدردانی از مشارکت فرانسه در تهاجم مشترک به دیکتاتور سوریه، به گفتگوی طرفین درباره برجام پرداخت و در قبال اظهارات تهدیدآمیز رژیم آخوندی در این زمینه گفت: اگر رژیم ایران به هر نحوی ما را تهدید کند، قیمتی خواهد پرداخت که کمتر حکومتی تا کنون آن را پرداخته است. رئیس جمهور آمریکا از جمله گفت: Two weeks ago, following Syrian dictator Bashar al-Assad's barbaric use of chemical weapons against his own people, the United States, France, and the United Kingdom joined together to strike at the heart of the Syrian chemical weapons program. These actions were designed to establish a strong deterrent against the use of these heinous weapons. France and the United States also agree that Iran cannot be allowed to develop a nuclear weapon, and that regime must end its support of terrorism. All over, no matter where you go in the Middle East, you see the fingerprints of Iran behind problems. And I think we will have a great shot at doing a much bigger, maybe deal, maybe not deal. We're going to find out, but we'll know fairly soon. And nobody knows what I'm going to do on the 12th, although, Mr. President, you have a pretty good idea. But we'll see. But we'll see also if I do what some people expect, whether or not it will be possible to do a new deal with solid foundations, because this is a deal with decayed foundations. It's a bad deal. It's a bad structure. It's falling down. Should have never, ever been made. I blame Congress. I blame a lot of people for it. But it should have never been made. And we're going to see what happens on the 12th. But I will say, if Iran threatens us in any way, they will pay a price like few countries have ever paid. رئیس جمهور آمریکا همچنین در جلسه مشترک مقامات ارشد فرانسه و آمریکا اعمال قاطعیت در قبال حکومت آخوندی را که آن را جلاد توصیف می‌کرد ضروری دانست و گفت: I think we've really had some substantive talks on Iran, maybe more than anything else, and we're looking forward to doing something, but it has to be done, and it has to be done strongly, and they've very much been butchers, and we can't allow that to happen. So we understand each other, and we'll see how that comes out, and we could have at least an agreement among ourselves fairly quickly. I think we're fairly close to understanding each other, and I think our meeting, our one-on-one went very, very well. I hope you feel the same way. Definitely. Thank you very much, Emmanuel. Thank you. در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه درباره مذاکراتش با رئیس جمهور آمریکا و یک طرح فراگیر چهار ماده‌ای که با دونالد ترامپ آن را مورد گفتگو قرار داده است، اظهار داشت. Le premier, c'est l'Iran. Vous avez rappelé tout à l'heure très clairement devant la presse, et vous venez de le faire, quelles étaient vos positions de campagne et quelles étaient vos positions en tant que dirigeant des États-Unis d'Amérique sur ce sujet. Il n'y a pas de mystère pour dire que nous n'avons pas les mêmes positions de départ sur ce point, et ni vous ni moi n'avons pour tempérament ou habitude de changer de position avec le gré du vent. Néanmoins, nous avons eu, je crois pouvoir le dire, une discussion très approfondie en tête-à-tête sur ce sujet. Vous considérez que le deal iranien, le JCPOA, donc l'accord qui a été négocié en 2015 avec l'Iran, est un mauvais accord. Depuis plusieurs mois, je dis que ça n'est pas un accord suffisant, mais qu'il nous permet en tout cas d'avoir jusqu'en 2025 un contrôle sur les activités nucléaires. Nous souhaitons donc
pouvoir désormais travailler sur un nouvel accord avec l'Iran. Ce dont nous avons besoin. Et je crois que là-dessus, notre discussion a permis d'éclairer pleinement ce choix et cette convergence de vues. C'est de couvrir quatre sujets essentiels. Le premier, c'est de bloquer toute activité nucléaire de l'Iran jusqu'en 2025. C'est ce que seul permettait de faire le JCPOA. Le deuxième, c'est de nous assurer qu'à plus long terme, il n'y ait pas d'activité nucléaire iranienne. Le troisième sujet essentiel, c'est de pouvoir stopper les activités balistiques de l'Iran dans la région. Et le quatrième point essentiel, c'est de créer les conditions d'une stabilité politique dans la région et donc de mieux contenir la domination iranienne et ses positions en Irak, en Iran, au Yémen, comme l'influence qu'elle a sur le Liban. Sur ces sujets, j'ai eu une position constante qui était de dire que nous devions justement trouver le cadre pour, ensemble, avec les puissances de la région, avec les dirigeants iraniens, réussir à trouver un accord. Je souhaite donc que nous puissions nous engager sur cette voie dans les semaines et les mois à venir. Cette voie est la seule qui permette la stabilité. La France n'a aucune naïveté à l'égard de l'Iran. Nous avons aussi un grand respect pour le peuple iranien qui, à travers son histoire, a montré toujours sa force. Et nous ne voulons pas répliquer les erreurs du passé. رئیس جمهور فرانسه در بخش دیگری از سخنانش درباره نتیجه گفتگوها و چارچوب مورد توافق برای حل و فصل تمامی مسائل منطقه اظهار داشت. Sur l'Iran, nous avons un désaccord sur le JCPOA. Mais je crois que nous sommes en train de le dépasser par la décision que nous avons prise d'aller vers un nouvel accord qui permettra de traiter la question en profondeur qui était celle du JCPOA. C'est-à-dire l'activité nucléaire, mais de la compléter avec trois autres questions qui n'étaient pas incluses. Ce qui est nouveau. Si la décision, en tout cas si l'heure que, ou un peu plus que nous avons passé ensemble, avait eu pour conclusion de dire les États-Unis sortiront du JCPOA et la France veut le défendre, alors à ce moment-là, notre amitié ne servirait à rien. Mais nous avons l'un et l'autre su évoluer pour, je crois, prendre en considération ce qui était important pour chacun de nos pays. Jamais nous n'avions jusqu'ici pris une position commune sur la résolution dans la durée de la crise syrienne, au-delà des sujets militaires. Nous venons de le faire aujourd'hui. Jamais nous n'avions ensemble pris une position pour dire nous allons aller vers un nouvel accord sur l'Iran qui, justement, sert à fixer tous les sujets de la région. Nous venons de le faire aujourd'hui. در این کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور آمریکا درباره سوریه و دخالت‌های رژیم آخوندی در منطقه گفت: So we are discussing Syria as part of an overall deal. When they made the Iran deal, what they should have done is included Syria, when I say should have, before giving them Iran $150 billion and $1.8 billion in cash, $1.8 million in cash. If you think about this, before giving this kind of tremendous money, okay, $150 billion and $1.8 billion in cash, in barrels, I hear it was taken out, and in boxes it was taken out, cash, they should have made a deal that covered Yemen, that covered Syria, that covered other parts of the Middle East where Iraq is involved, where Iran is involved. They didn't do that. So we want to come home. We'll be coming home. But we want to have a very, very strong, we want to leave a strong and lasting footprint. And that was a very big part of our discussion.